le monde! Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec un livre ou un film sur la mécanique du cœur. Donc le film s'appelle Jacques et la mécanique du cœur. Et j'avais déjà fait une vidéo sur le livre, mais perso, je vous invite pas du tout à la regarder parce que je l'ai regardé avant de faire cette vidéo. Et en fait, j'étais hyper malade et j'ai une mine, mais juste affreuse. Ou alors, allez la voir pour vous foutre de ma gueule parce que voilà. Alors pour revenir sur l'histoire de Jacques et la mécanique du cœur, donc Jacques est né le jour le plus froid du monde et son cœur est gelé et Madeleine décide de lui mettre une horloge à la place du cœur pour l'aider à vivre. Mais il aura des règles à respecter et dont une très importante, il ne peut pas tomber amoureuse de quelqu'un. Mais bien sûr, vous vous en doutez, ça va arriver. Et donc il tombe sur Miss Acacia, une petite demoiselle qui ne voit pas très bien. Et il va tout faire pour la retrouver, il va parcourir le monde entier pour la retrouver en Andalousie et essayer de conquérir son cœur. Alors pour vous parler du film, ben à la base j'étais pas très chaude de le regarder parce que c'est typiquement le genre de dessin animé que je n'aime pas regarder. Je ne supporte pas ces têtes trop grosses, ces corps tout minces, très étendus, enfin je sais pas, moi perso ça a du mal à passer. Je l'ai quand même regardé. Et moi ça accroche pas trop, hein. Déjà je vous dis le visuel c'est pas mon truc. Et puis j'ai un malin plaisir à toujours bugger sur les voix. Je parie que vous avez déjà vu des films en version québécoise et vous savez ce que c'est. Vous avez l'impression que la voix ne correspond pas avec le personnage. Et j'ai eu exactement ça, surtout avec Jacques, qui est la voix de Mathias Malzieux, donc l'auteur du livre, le chanteur de Dionysos. Et je trouve que sa voix ne va pas bien avec le personnage, alors ça me... un truc qui m'allait pas, quoi. Et puis aussi, ce genre de musique, j'aime pas trop non plus. Olivia Ruiz, c'est pas ma tasse de thé. Le Grand Cœur Malade non plus. Alors oui, voilà, Grand Cœur Malade fait la voix d'un personnage. Et vous avez l'impression de voir que lui, que le Grand Cœur Malade, il a tellement une voix tellement particulière que... j'ai l'impression que le personnage, ça prend pas, quoi. Bon, voilà, après, voilà, ça c'est personnel, hein. Je n'aime pas ce genre de dessin animé, les chansons, je n'aime pas. Après, c'est vrai qu'il est quand même super bien fait, je dis pas le contraire, c'est une super belle adaptation, ça fait vraiment des cœurs dans les yeux, c'est clair, mais voilà, moi, c'est pas ma tasse de thé. Je suis tellement habituée au Disney que c'est très très dur de voir autre chose. Alors, bien sûr, si je dois choisir entre le livre ou le film, ben, je choisis le livre. Surtout parce que ça m'a procuré d'autres émotions. La poésie du texte, on fait plein de rapports avec la jalousie, la colère. Enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de détails sur ça que j'ai adoré, qui n'est pas spécialement retransmis dans le film. Limite, le seul personnage que j'ai trouvé beau, c'était Miss Acacia. Au moment où on la voit plus adulte avec ses roses dans les cheveux, là j'ai trouvé que le personnage était sublime, mais c'est le seul que j'ai aimé, hein. Au niveau du visuel, hein, je parle. Et puis il y a quelques petits trucs aussi qui m'ont manqué. C'est vrai que tout son parcours qui traverse l'Europe pour aller retrouver Miss Acacia est beaucoup plus développé dans le bouquin. C'est vrai que j'ai bien aimé moi cette partie, et dans le film ça prend mais 2 secondes, quoi. Voilà, bon, c'est pas la meilleure adaptation de bouquin que j'ai vu. Allez le voir, hein, si vous aimez ce genre de film, ce genre de bonhomme un peu difforme, et aussi les musiques. Parce que moi j'aime pas les musiques. Il y a vraiment pas beaucoup de musique que je n'écoute pas, mais le rap et ce genre de chansons françaises, j'aime pas, j'accroche pas du tout. Mais voilà, donc moi je préfère le livre. Il est vraiment magnifique et je vous conseille de le lire. Bon, le film, limite, je vous conseille pas. Enfin, moi, j'aime pas. Hein. C'est mon point de vue personnel. Donc voilà, donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Alors, vous...